Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour, bonsoir, je ne sais pas où vous êtes. En tout cas, nous sommes ensemble et c'est ça qui est important. Je veux dire bonjour à tout le monde. Elle Boyd est avec nous. Nitesh Kumar est là aussi. Béatrice Tan. Thomas qui est là aussi. Almour est avec nous. Omar, bonjour. Luciana Moribé est là aussi. Victoria Possé nous rejoint. Yossi est là. Cosmina est là aussi. Mélissa Madrid est avec nous. Sundar, coucou. Widad, coucou. Vouslat, bonjour. Cassandra est là aussi. Hilary Orwell nous rejoint. Victoria Jacques est là. Bonjour, bonjour et bonjour. Aujourd'hui, on en a trois. Bah écoutez, ça me fait très très plaisir de vous retrouver. On va commencer. Vous n'êtes pas beaucoup, mais on va voir. Peut-être qu'il y aura plus de personnes. Comme d'habitude, s'il vous plaît, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton like. Ça me ferait très plaisir. Merci beaucoup. Alors, Mercurial Man nous rejoint. Bonjour, j'espère que vous allez bien et qu'il ne fait pas trop froid là où vous êtes. Allez, la question du jour, classique pour le samedi, hein, souvenez-vous, on va faire des révisions aujourd'hui. C'est le dernier jour de notre première semaine de révision, c'est la reprise. Question, qu'est-ce que vous avez préféré cette semaine? Donc, nous sommes samedi, eh bien, regardez derrière vous et repenser à toute la semaine. Et est-ce qu'il y a une chose que vous avez trouvé sympathique cette semaine? Bickert nous rejoint, bonjour. I have hope aussi. Bah écoutez, allez-y. Yann Arte, bonjour aussi. Alors, Fake nous rejoint, bonjour à vous, participez s'il vous plaît, regardez la question sur votre écran et répondez tout simplement en me disant qu'est-ce que vous avez préféré cette semaine. Alors, Vouslat qui nous dit, oh, j'ai préféré apprendre le français. Docteur Homer nous rejoint, bonjour Docteur Homer. Yossi qui nous dit, cette semaine j'étais occupé avec, eh oui, le deuxième vaccin. Yossi est un homme totalement, intégralement vacciné. Il a eu les deux vaccins. Eh bien voilà, Yossi, maintenant, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous êtes un homme libre. Formidable, formidable, Yossi. Je suis très, très content pour vous. Victoria Jacques qui nous dit « J'aime les cours qui recommencent parce que ça me manque tellement. » Moi aussi. Bon, et puis j'ai eu quelques petites... quelques petits événements personnels, donc ça me restructure. Hachan qui nous dit ce que j'ai préféré cette semaine, c'était regarder la télé. Omar, ce que j'ai préféré cette semaine, c'est qui a terminé et... Ah oui, que la semaine est terminée et que le week-end arrive. C'est vrai, Omar, vous avez raison. Bonjour, Cherylyn, bonjour, bonjour. Luciana, pardon, je choisis des rendez-vous ici avec vous et avec tout le monde. Très bien, donc c'est ça que vous avez bien aimé, moi aussi. Anil, bonjour Anil, participez s'il vous plaît, bienvenue. N'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton like, merci. Béatrice Tan qui nous dit « Le silence est resté toute seule à la maison ». Des fois, c'est bien d'être seul et des fois, c'est un peu lourd.
Mais c'est vrai que ça peut être très très bien. Mercurial Man, cette semaine, j'ai aidé les pauvres en faisant un don. Je dis bravo, Mercurial Man, c'est très très bien. Vous êtes très généreux et ça, c'est une bonne chose. Bravo, bravo. Oui, Dad, j'ai préféré préparer des gâteaux. Miam, miam. Beaker, j'ai préféré le plus calme la tranquillité autour de moi et faire le ménage de ma maison et faire beaucoup d'exercices de français. Comme ça, je suis très contente. Très bien. Yann Arte qui nous dit « J'ai préféré chercher quelque chose à bon marché. » D'accord. Bombville Lover, bonjour, bonjour. Alors, attendez. Chéreline qui dit qu'elle est d'accord. D'accord. Moi aussi, je suis toujours d'accord. Vicente Coba, bonjour à vous. Isaya, bonjour à vous, participez. Mélissa Madrid, j'aurais préféré faire un tout petit peu de sport. Moi aussi, Mélissa. J'ai commencé lundi et je me suis dit, ça y est, je vais courir, c'est bon, une nouvelle vie commence. Et après, j'ai arrêté. C'était terrible. Hillary, j'ai préféré acheter un nouveau livre. Ben ça, c'est bien. Anil, j'ai préféré regarder la télévision cette semaine ou la télé. Victoria Posse, ce que j'ai préféré cette semaine, c'est qu'il arrête de neiger. Oui, j'ai vu qu'à Madrid, il y a beaucoup, beaucoup de neige. Peut-être que la structure ou l'infrastructure n'est pas préparée. Yossi, je souhaite à tous de faire le vaccin le plus tôt possible. Regardez Yossi, j'attends. S'il vous plaît, mais je ne fais pas partie des groupes qui passeront en premier, malheureusement. Docteur Homer, j'ai préféré faire du sport, très bien. Almour, ce que j'ai préféré cette semaine, c'est la neige. Cosmina qui nous dit, cette semaine, j'ai préféré visionner deux pièces de théâtre, en ligne, et c'était live. Les acteurs ont joué live sur la scène, filmé par 6 caméras. Ouais. Je me souviens, quand j'étais petit, il y avait une émission très très populaire à la télévision française, c'était au théâtre ce soir. Et j'ai toujours aimé regarder les pièces de théâtre filmées. C'est toujours très intéressant. Cosmina qui nous dit, je trouve que cette manière de théâtre aurait pu le futur, au moins une partie du futur au théâtre. Oui, oui. Est-ce que vous avez vu aussi des opéras? Je ne suis pas un grand spécialiste des opéras, mais les opéras au cinéma, c'est pas mal. Ice Cubes, bonsoir à vous. Sundar, je confonds. Avec la question « Répondre au passé ou au futur ?» Là, c'est la semaine dernière, hein, c'est-à-dire ou cette semaine plutôt, donc c'est dans le passé. Vicente, bonjour encore. Alors, je ne sais pas, les musiques seront un petit peu aléatoires. On va voir. Tenzin, bonjour. N'oubliez pas de liker. Vous pouvez rejoindre la communauté en cliquant sur Join. Et si vous voulez, vous m'offrez un café. Je serai un homme heureux. J'adore le café. La douceur du jour, c'est les révisions. Souvenez-vous. Nous avons fait, pendant une période assez longue, des choses qui parlaient des douceurs du jour. On parlait des pâtisseries. Et notamment, nous avions découvert, il y a quelques mois, le Paris-Brest. Alors, on va toujours faire comme d'habitude. C'est-à-dire que je vais vous dicter... Attendez, je dois aller un petit peu plus en bas. Voilà. Je vais vous dicter, trois choses pour présenter le Paris-Brest et vous allez chercher les mots qui manquent. On attaque de lecture comme d'habitude. Le Paris-Brest. Ah, j'ai oublié le verbe. Le Paris-Brest est une pâtisserie traditionnelle d'origine française. Je vous rajoute ici. Je répète. Le Paris-Brest est une pâtisserie traditionnelle d'origine française. Écrivez, s'il vous plaît, les mots qui manquent. Alors, Daria nous rejoint. Bonsoir, Daria. Ice Cubes qui demande combien de lunettes as-tu, Vincent? Ça change à chaque fois. Oui, mais je cherche des lunettes blanches et pour l'instant, j'en ai pas trouvé. Parce que comme ça, je pourrais faire bleu, blanc, rouge. J'ai noir, j'ai marron, mais je cherche blanc. Je cherche blanc.
Alors, Hellboy nous dit qu'il doit aller se coucher parce qu'il est presque 2h du matin. Oui, il faut dormir, hein. Il faut dormir, le sommeil est très très important. Alors, regardons les deux mots qui manquaient. Alors, la première chose, eh bien, c'est un substantif, c'est pâtisserie. Pâtisserie, idéalement, si vous avez l'accent circonflexe sur votre clavier, en général, on va le mettre quand même sur le A. Donc, pâtisserie, n'oubliez pas les deux S. Je regarde, apparemment, vous écrivez très très bien, donc il n'y a pas de problème. Ensuite, la deuxième chose, c'était aussi un substantif, et c'est origine. Origine est féminin, on l'écrit O-R-I-G-I-N-E. Là, c'était pas très très problématique, apparemment, vous avez bien écrit. Regardons la deuxième chose pour présenter cette délicieuse pâtisserie qu'est le Paris-Brest. Elle est en forme de roue de bicyclette pour rendre hommage à la course cycliste Paris-Brest-Paris. Elle est en forme de roue de bicyclette pour rendre hommage à la course cycliste Paris-Brest-Paris. Allez, écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. Alors, je vois vos mots arriver et je dis oups, oups, oups. Faites attention, la première chose, c'était un substantif et c'est une roue. Hein, une roue, ce que vous avez pour un vélo, pour une moto, pour une voiture, quatre roues, etc. Faites attention parce que on écrit ce mot R-O-U. Le E final n'est pas prononcé, bien sûr, et je sais que, eh bien, c'est un risque et c'est toujours difficile. Cosmina dit non, 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 ce n'est pas roux, R-O-U-X. R-O-U-X, ça existe. C'est un adjectif, c'est pour parler de la couleur des cheveux ou la couleur des poils d'un animal. Roux ou rousse. Faites attention, ici c'est un substantif, c'est une roue. Alors, une roue, donc R-O-U-E. Deuxième chose, hommage. Hommage avec deux M, comme a bien corrigé Victoria Jacques, bravo. Donc H-O-M-M-A-G-E. Et puis, la troisième chose, c'était un adjectif. L'adjectif cycliste. Cycliste, vous l'avez bien écrit, c'est avec un Y. Hein, C-Y-C-L-I-S-T-E. Cycliste, adjectif qui reste le même si c'est masculin ou féminin, ce sera la même forme puisque ici c'est une course cycliste. Allez, on regarde la troisième chose. Alors la troisième chose, eh bien, écoutez, comme d'habitude, je vais vous lire deux fois. Elle est composée d'une pâte à choux fourrée, d'une crème mousseline pralinée, parsemée d'amandes effilées. Donc je répète, elle est composée d'une pâte à choux fourrée, d'une crème mousseline pralinée, parsemée d'amandes effilées. Olga Ruiz nous rejoint. Bonjour, bonjour Olga, comment allez-vous ?
Alors, je regarde ce que vous m'écrivez. Pour l'instant, c'est bien. Il y a juste une petite erreur que j'ai remarquée à plusieurs reprises. Composé, souvenez-vous qu'ici, eh bien, on doit mettre le féminin puisque le sujet, c'est elle. Elle est composée. Hein, on doit marquer le féminin à la fin de composé. C-O-M-P-O-S, accent aigu, et le féminin, E. Ensuite, c'est un substantif que l'on cherche et c'est une crème. Crème, si vous avez l'accent grave sur votre clavier, ce serait formidable de le mettre. Donc, C-R-E, accent grave, M-E. Et puis, la dernière chose, eh bien, c'est amende. Pour votre information, parce que là, c'est le pluriel, pour votre information, amende, c'est féminin. Vous pouvez le remarquer sur l'adjectif effilé. Donc amende, A-M-A, ça c'est important, N-D-E-S, puisque c'est le pluriel. Et bien voilà, on va lire ensemble. Souvenez-vous, idéalement, nous faisons la lecture tous ensemble. C'est la possibilité pour vous et pour moi. Bickert qui dit bon appétit. Alors, c'est pas bon appétit, il faut dire bonne santé. Ou à la vôtre, ou santé. Allez, on va lire les trois choses ensemble. Première chose. Le Paris-Brest est une pâtisserie, excusez-moi, le R avait disparu, traditionnelle d'origine française. Tenez, on va juste le remettre, puisqu'on est professionnel quand même. Allez, on va répéter maintenant avec notre verbe. Le Paris-Brest est une pâtisserie traditionnelle d'origine française. Deuxième chose. Elle est en forme de roue de bicyclette pour rendre hommage à la course cycliste Paris-Brest-Paris. Troisième chose. Elle est composée d'une pâte à choux fourrée d'une crème mousseline pralinée, parsemée d'amandes effilées. Et sérieusement, si vous n'avez jamais, jamais mangé un Paris-Brest, il faut, dès que vous allez en France ou dans un pays francophone où c'est possible de goûter, il faut en manger, c'est délicieux le Paris-Brest. Alors aujourd'hui, vous aurez remarqué que la musique est un petit peu aléatoire. Je n'ai pas eu le temps de sélectionner. Cliquez sur like, s'il vous plaît. Merci. Allez, et ça aussi c'est un classique, le mot du jour, j'imagine que Cosmina va encore nous sortir un mot incroyable, mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Quel mot pourrait résumer votre journée? Juste un mot, souvenez-vous, ça peut être un adjectif, un verbe, un substantif, un adverbe, c'est comme vous voulez. Allez-y, un mot pour résumer votre journée, merci. Alors, Victoria Jacques est la première et c'est intéressant parce que vous dites prêt. C'est mystérieux. Alors là, c'est mystérieux. On ne sait pas ce que ça veut dire, mais c'est très intéressant. En tout cas, c'est bien. Prêt ou prête, peut-être, au féminin, je ne sais pas. Omar qui nous dit français. Vouslat qui nous dit calme, ça c'est pas mal. Yossi qui nous dit dormant, ça aussi c'est bien. Cosmina, croguignol. C'est vrai, ça fait très longtemps que je ne l'avais pas entendu, ça. Merci, merci de me le rappeler. Béatrice Tan qui nous dit la
paresse. La paresse est une bonne chose parfois. On a tendance à penser que c'est négatif, mais parfois c'est nécessaire, hein, pas tout le temps. Almour motivante, Luciana Moribé qui nous dit piscine. Ça c'est bien, c'est bien. Vous pouvez aller à la piscine. Il y a beaucoup d'endroits, hein, beaucoup de pays où les piscines sont totalement, totalement fermées. Hillary qui nous dit week-end, eh oui. Mercurialman qui nous dit intéressant. Ice Cubes qui nous dit la neige. Ben, c'est pas mal la neige, c'est sympathique, non? Ice Cubes, est-ce que vous avez fait un bonhomme de neige? Ce personnage très intéressant. Et hop, on met une carotte à la place du nez. Daria qui nous dit... Calmos, et ça c'est pas mal, c'est bien d'être calme le samedi. Sundar dormant. Bickert actif et positif. Alors attention Bickert, vous mettez le féminin pour les deux. Donc active, va, et positive, va. D'accord? Yesero audacieux, ça c'est pas mal. Widad, ménage, oui. C'est nécessaire. Moi aussi, ce matin, j'ai commencé avec l'aspirateur direct. Olga, formidable. Waouh. Yann Arte, activité, pas mal. Mélissa, chanceuse. Ah, ça, c'est bien aussi. Victoria Posse qui nous dit acceptable. Et Victoria Jacques qui nous dit prête à, à attaquer le jour, le week-end. Quoi qu'il arrive. Cheryline qui nous dit révélatrice. Oh, alors là, ça aussi, c'est mystérieux. C'est intéressant. Allez, merci beaucoup. Alors ça par contre c'est quelque chose de nouveau, je m'étais dit que ça pourrait être intéressant de faire des rébus ensemble. Alors effectivement la question c'est, eh bien tout simplement qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'un rébus? Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. L'idée c'est de vous donner des dessins et en fait vous avez, en combinant ces dessins, c'est-à-dire à partir des mots qu'ils représentent, vous allez construire un nouveau mot. Alors, je sais que c'est peut-être un petit peu mystérieux si vous n'avez jamais encore fait de rébus. Je vais vous donner un exemple. Regardez ici. Notre exemple, eh bien, vous voyez à votre écran, vous voyez... Ah, attendez. Oh non ! Je n'avais pas cliqué. Voilà, vous êtes très gentil. Alors, le rébus, voilà. Donc, l'idée du rébus, c'est de vous proposer donc, une suite de dessins. Et ces dessins ensemble, avec leur signification, vont vous donner un nouveau mot. D'accord ? Donc l'idée, je vais vous donner maintenant l'exemple que vous voyez à votre écran. Regardez ici. Nous allons chercher un mot avec les deux dessins que nous avons, plus le T qui est au milieu. Regardez ici. Nous allons chercher un mot eh bien, qui est masculin, un quelque chose. L'exercice, finalement, c'est de savoir exactement eh bien, quelle est la signification de chaque dessin. Le premier, vous voyez que c'est un D. D'accord ? Le deuxième, eh bien, vous voyez que c'est de l'ail. Nous allons uniquement garder les mots. Bien sûr, on n'utilise pas les articles. Et donc, D plus T plus I, eh bien, ça va nous donner un détail. Ça, c'est le concept des rébus. Je ne sais pas si vous connaissez, donc c'est un détail. D'accord ? Alors, on attaque. On en aura 5 pour être ensemble. Je regarde et je vois que tout est clair pour vous maintenant. On peut y aller avec le premier. Allez, le premier, on y va, et c'est ça. Proposez-moi un mot. Thank you.
Alors, je vois que ça commence à arriver. Je vois des choses vraiment très, très intéressantes. C'est assez sympathique, je pense. Regardons. Eh bien, la première chose, nous sommes d'accord, c'est un chat. Tout le monde l'a trouvé. La deuxième chose, alors c'est du lait. Hein, vous voyez que c'est blanc. C'est une bouteille de lait. C'est du lait. Donc, nous gardons chat et nous gardons lait. Et nous allons obtenir, eh bien, le mot un chalet. Souvenez-vous, un chalet, eh bien, ce sont ces petites constructions, ces petites maisons que vous pouvez voir en général dans les montagnes. D'accord ? Chat, lait, eh bien, vous obtenez un chalet. Allez, le deuxième, on y va. Proposez-moi quelque chose. Ice Cube qui dit j'ai copié et qui tire la langue. Alors nous sommes d'accord que c'est un jeu, hein. Ces jeux-là sont des jeux phonétiques, parce que bien sûr on écrit différemment après. Regardons ensemble, c'est toujours un chat, nous sommes d'accord, et l'autre c'est ce qu'on appelle un pot, c'est-à-dire un pot de fleurs. Hein. Regardez, un chat et un pot, ça fait eh bien un chapeau. Un chapeau, effectivement, et là je dois dire bravo, je regarde tout le monde, je crois que c'était Widad, hein, Widad qui était en première position. Je dis bravo Widad, c'est très bien. Allez, troisième chose à trouver ensemble, on y va, allez-y. Alors excusez-moi, j'étais en train de faire quelque chose sur le clavier puisqu'il y avait une petite chose à modifier. Je dis bravo puisqu'effectivement, alors c'est phonétique, on est d'accord. Donc ça veut dire que parfois, vous changez un petit peu quand on parle des accentuations. Ici, vous avez un pot, encore une fois. L'autre chose, c'est un nez. Alors bien sûr que ici, on ne va pas garder le nez, c'est-à-dire comme un accent aigu, mais on va le modifier légèrement. Peau, nez, c'est un petit peu comme un poney. Poney, poney. Donc un poney, c'est l'animal, le petit cheval d'une certaine façon. Je dis bravo parce que Mousta l'avait trouvé, Lucienne l'avait trouvé aussi, Peace Joy, bravo. Donc c'est un poney, effectivement. Allez, quatrième, j'espère que vous ne me détestez pas, ça doit être un exercice sympathique. Regardez ça, qu'est-ce que c'est ? Oh là là, Widad, Widad, je dois dire bravo, parce que Widad, là, c'est un, hein, on attaque direct. Regardez, regardez, Ice Cube qui se pose des questions, qui dit, je ne suis pas sûr. Regardez, d'abord, on a du riz. C'est du riz,
D'accord? On ne prononce pas le Z final. Et après, cette partie qui est derrière vous, c'est ce qu'on appelle le Do. D'accord? Un Ri et un Do, eh bien, ça donne tout simplement un rideau. Le rideau, eh bien, c'est ce que vous mettez en général à côté, devant vos fenêtres, soit pour décorer ou soit pour protéger de la lumière. Rideau, un rideau. Allez, ce sera le dernier. Victoria Jacques qui dit « Non, j'arrête !» Il n'y en a que 5, Victoria Jacques, c'est le dernier. Pas de stress. Allez, et en plus, il est sympathique celui-là. Regardez, regardez. Qu'est-ce que c'est ? Et c'est Béatrice Tan qui est la première. Je dis bravo, bravo Béatrice Tan, c'est très très bien. Donc effectivement, hein, là encore une fois, donc c'est un port. Mais c'est ça, c'est que le C final n'est pas prononcé. Donc vraiment le mot c'est port. Et l'autre c'est quoi ? Eh bien c'est une table. Port plus table, eh bien vous allez obtenir un portable. Un portable, ça peut être téléphone, ça peut être ordinateur, c'est un portable. Voilà, un port et une table, ça donne un portable. Merci beaucoup pour votre patience. N'oubliez pas, comme d'habitude, de cliquer sur « like ». Et en regardant cette photo, je vous l'avais dit déjà, mais même si vous n'aimez pas l'opéra, si vous avez l'occasion, quand vous allez à Paris, d'aller à l'Opéra Garnier, franchement, allez-y, c'est une expérience, c'est vraiment sympathique, il faut y aller. Et il y a des billets à tous les prix, vous pouvez y aller pour pas cher, c'est possible. Allez, le saviez-vous ? Alors ça, c'est quelque chose qu'on avait eu l'occasion de voir, je ne sais plus si c'était en septembre, c'était il y a longtemps déjà. Allez, on avait parlé, vous savez, des frères montgolfiers. Les frères montgolfiers, je vous avais expliqué, eh bien, qu'ils avaient une petite importance dans l'histoire de France. Et eh bien, c'est tout simplement pour cette raison. Là, je vais vous faire une lecture, comme d'habitude, et vous allez écrire les mots qui manquent. On y va. À la fin du 18e siècle, les frères montgolfiers inventent ce qui sera nommé la montgolfière. Je répète, à la fin du 18e siècle, les frères montgolfiers inventent ce qui sera nommé la montgolfière. S'il vous plaît, écrivez les mots qui manquent. Alors, je regarde ce que vous m'écrivez. Regardez ici. Donc, la première chose, c'était fin. Nous sommes d'accord que fin, vous l'écrivez bien dans ce que vous proposez. On est d'accord que c'est féminin, c'est F-I-N. Ensuite, c'est siècle. Siècle, souvenez-vous, S-I-E, accent grave. Si vous avez l'accent sur votre clavier, ce serait formidable. C-L-E.
siècle, c'est masculin pour votre information. Le verbe ensuite, c'était inventer. Ici, on le conjugue au pluriel, troisième personne du pluriel, invente, I-N-V-E-N-T-E-N-T, puisque c'est le pluriel. Et puis, le verbe être au futur simple qui sera, sera, S-E-R-A. Ici, c'est la forme, hein, donc c'est la forme passive du verbe nommer, hein, au futur, hein, qui sera nommé. Donc ici, eh bien voilà, je dis bravo parce que c'était bien, bien écrit. La plupart d'entre vous, non, c'était bien. Bon, vous avez oublié quelques petites choses, parfois, mais c'est pas grave. Regardez la suite. La première expérience aura lieu le 4 juin 1783. La première expérience aura lieu le 4 juin 1783. Alors, je regarde. Ouais, c'est bien, hein, c'est bien. Souvenez-vous que, bon, bah, pour le premier, donc première, hein, c'est le féminin. Donc, n'oubliez pas le E final. Pour l'instant, tout ce que je vois, c'est bien. Attention, here we are well. Attention, attention, c'était pre, hein, c'est pas pro. Donc, mière, première, accent grave, si c'est possible. Sinon, c'est pas grave. Ensuite, c'était le verbe avoir. L'expression, c'est avoir lieu. Vous savez, avoir lieu, ça veut dire se passer. Hein, quelque chose qui arrive quelque part. Donc, avoir au futur, ici, aura, A-U-R-A. Donc, aura, et puis, les deux dernières choses, je m'étais dit que le mois et l'année, ce serait sympathique. Donc, juin, on l'écrit J-U-I-N, souvenez-vous, nasal, pas de N prononcé, juin, d'accord. Et puis, l'année, c'est 1783. Je regarde vos dates, et oui, c'est bien. Bickert, un petit doute, mais c'était juste 43, 83, c'est pas mal, Bickert. Bien sûr, ok, c'est une erreur, mais c'est pas une erreur terrible. Vous êtes très, 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 très près. Donc ça, c'est bien. Allez, si vous voulez bien, nous allons lire ces deux choses sur la montgolfière ensemble. À la fin du 18e siècle, les frères montgolfier inventent ce qui sera nommé la montgolfière. La première expérience aura lieu le 4 juin 1783. Est-ce que vous vous souvenez de cette période formidable? Cette période formidable où, regardez, c'était possible d'aller en terrasse, c'était possible de manger comme ça, sans les masques, c'était possible de bien vivre. On espère qu'avec la vaccination, ça va être plus simple. N'oubliez pas de rejoindre la communauté si vous voulez, c'est en dessous et c'est cliquer sur « Join ». Allez, la photo du jour, la voici. Une petite phrase, s'il vous plaît. Harvey nous rejoint. Bonjour, Harvey, c'est en français. It's in French, this lesson, remember. Allez, on y va. Une phrase pour décrire la photo. Thank you.
Alors, Berylla71 nous rejoint. Bonjour, Berylla71, vous arrivez au moment de la photo. Allez-y. Alors, Sundar, non, actuellement, c'est pas du confinement. Actuellement, c'est du couvre-feu. C'est-à-dire que en France, actuellement, vous restez à la maison après 6 heures du soir. 6 heures du soir, ce n'est plus possible de sortir. Et les restaurants, les bars et les cafés sont actuellement totalement fermés. Alors, Peace Joy est la première à écrire tout simplement « C'est beau ». Eh ben, c'est bien, Peace Joy, je dis bravo. Almour qui nous dit « Deux femmes à la plage ou sur la plage regardent ou regardant donc le coucher de soleil ». Très bien. Mercury Allemagne, j'espère qu'ils allumeront bientôt les lumières. Ah, les lumières, c'est ce qu'on appelle le soleil, monsieur. Le soleil, je ne sais pas si c'est possible. Omar, deux femmes regardent. Donc la nuit tombée, oui. Hachan qui nous dit, je dis ça, je dis rien. À l'expression classique. Hein. Mathis Von, bonjour. Bonjour à vous, bienvenue. Yesero, c'est l'aube et deux femmes ont raté leur croisière. Ah oui, vous pensez qu'elles regardent le bateau? Ah non, je voulais y aller. Hillary qui dit deux femmes parlent à côté de la rivière. Rivière peut être un fleuve ou une mer. Rivière, c'est petit en français. Yossi qui nous dit deux femmes sont assises à côté d'une rivière. Elles regardent la ville de loin et se racontent des histoires. Yossi, je crois que c'est un bateau. Peut-être même ce qu'on appelle un paquebot. Oui, Dad, il y a deux personnes au bord de la mer en regardant le coucher de soleil, oui. Alors, je regarde le Vouslat. Deux femmes sont au bord d'un lac. Elles regardent le paysage. Beaker, deux amis regardent le paysage. À côté de la mer, le bateau, le ciel et le soleil se couchent. Et c'est magnifique. Sundar, deux femmes profitent au bord du lac. Luciana, il y a de la lumière du soleil qui se couche et des lumières de la ville au loin. Berylla qui nous dit « Une belle nuit d'été ». Ouais. Yann qui nous dit « Stop croisière à Venise ». Ah, ben, Venise, c'est un petit peu délicat actuellement. Hein. Victoria Posse, il y a des problèmes maintenant avec les croisières, hein, c'est interdit. Victoria Posse, deux amis regardent au fond de la plage et disent qu'il faut aller car il fait nuit. D'accord. Daria qui nous dit « Deux jeunes femmes qui sont en train de discuter et de partager les connaissances de la langue » qu'elles ont obtenu pendant les cours avec Vincent. Je doute très sérieusement. Elles parlent en français et ça leur fait plaisir énormément. Peut-être, on ne sait jamais. Mélissa Madrid, la photo nous montre deux amis en train de bavarder. Très bien écrit. Cassandra, deux amis sont assis sur la plage et regardent la croisière. Ils souhaitent pouvoir dîner sur le bateau ce soir. Victoria, deux personnes regardant... Ah pardon, se détendent. Ah non, non, excusez-moi. Regardons le coucher de soleil après avoir bu une bouteille de vin. Oui. Ah, il y a souvent, on est obligé de parler de vin à un moment dans le cours, Victoria et moi. Il y a une petite connexion là-dessus, j'ai l'impression. Bourneville, lover, les deux femmes se demandent en regardant un bateau de croisière et imaginent voyager autour du monde. C'est vrai que ce serait formidable ça. Ice Cubes, c'est une belle image d'un bateau sur la mer. Et je vois les ombres de deux femmes regardant le coucher de soleil et le bateau illuminé. Oh! Ice Cubes, c'est incroyable. Je ne sais pas si vous avez ce sentiment-là, mais les progrès que vous avez faits depuis qu'on a commencé les cours ensemble, c'est incroyable. Regardez votre phrase, elle est vraiment comme ça. Je dis bravo Ice Cubes, bravo, bravo, et bravo aux autres aussi. On progresse ensemble et ça, c'est vraiment sympa.
Béatrice Stan, les deux jeunes filles rêvent d'aller en croisière pour pouvoir découvrir comment c'est la vie à bord. Très bien écrit aussi. Olga qui nous dit, les filles s'amusent sur la plage. Cosmina, le bateau a débarqué sur l'île des condamnés qui vont tenir compagnie à Papillon. Alors, dans ma famille, il y a deux branches, comme souvent c'est le cas dans les familles. Et j'ai personnellement un ancêtre qui est mort à Cayenne. Et ce n'était pas pour des raisons touristiques, apparemment. Donc, l'histoire de Papillon, c'est une histoire que, bien sûr, j'aime bien. Hachan qui nous dit un truc de dingue. Oui, je ne sais. Oui, bah, le contexte est intéressant. Chériline, les femmes regardent le départ de la Diamond Princess après avoir intentionnellement raté leur croisière parce qu'elles avaient eu le pressentiment qu'il y aurait une épidémie de virus à bord. Et ça, c'est vrai. Hein. Les bateaux, ça a été une mauvaise chose pour le virus. Hein. C'était vraiment la possibilité de laisser les gens attraper très facilement le virus. Ice Cubes qui remercie. Ah, il ne faut pas me remercier. Moi, je ne fais rien. C'est vous qui faites tout le travail. Hein. Bravo à tout le monde. Merci beaucoup. Allez, la personne du jour. Et la personne du jour, c'est une personne que nous avions déjà vue. Souvenez-vous, cette semaine, c'est la semaine des révisions. On révise, on revoit des choses qu'on a déjà vues. On avait eu l'occasion de découvrir Elisabeth Vigée-Lebrun. C'est important parce qu'en général... C'est le nom de la rue hein, où j'habite quand je suis à Paris. Donc, la rue Lebrun, moi je l'aime bien. Voilà, on attaque comme d'habitude avec trois choses sur Elisabeth Vigée-Lebrun. Première chose, elle est née le 16 avril 1755 à Paris et elle est morte dans la même ville le 30 mars 1842. Elle est née le 16 avril 1755 à Paris et elle est morte dans la même ville le 30 mars 1842. Allez-y. Alors, je regarde. Ouais, c'est bien. Tout ce que vous mettez jusqu'à maintenant, c'est très très bien. Donc, comme d'habitude, j'avais envie de, si possible, glisser deux dates. La première chose, c'était 1755. Donc, pour l'instant, tout ce que je vois, oui, c'est correct. C'est correct. Oui. Ice Cube, ce qui... qui a compris. Vous avez compris que discrètement, hop, je mets des dates et des nombres, bien sûr. Donc, 1755, là, il n'y avait pas de problème. Deuxième chose, eh bien, c'est morte. Ici, on doit le mettre au féminin. Souvenez-vous, au masculin, c'est mort, M-O-R-T. Ici, c'est la forme féminine. Donc, c'est morte, M-O-R-T-E. On peut dire mourir, on peut dire décéder, et donc on va l'utiliser aussi, morte ou décédée. On suppose que décédée, c'est peut-être un petit peu plus correct ou poli.
quand on s'adresse à d'autres personnes. Ensuite, c'était une année encore, 1842. Je regarde vos propositions et c'est correct. Je dis bravo à 1842. Allez, on continue avec la deuxième chose concernant Élisabeth. C'est une artiste peintre française considérée comme une grande portraitiste de son temps. C'est une artiste peintre française considérée comme une grande portraitrice de son temps. Je vais y arriver. Ice Cubes, non. Non, en français, on n'utilise pas passé. Non, parce que passé a d'autres significations, mais pas cette signification-là. Donc, en général, on utilise mourir. Mourir est très, très neutre. Si vous parlez à une personne qui fait partie de la famille de cette personne, en général, on utilise le verbe décéder. Alors, je regarde. Pour l'instant, c'est bien. C'est vraiment bien. Donc, la première chose, eh bien, c'était le substantif. Hein, c'est peintre. Souvenez-vous que peintre, on l'écrit avec un E. Hein. C'est vraiment la grande distinction entre l'anglais et le français concernant cette famille de mots, les verbes. Donc, peintre. P-E-I-N-T-R-E. Un peintre féminin, une peintre, c'est la même forme. Considérer ici, c'est très important de mettre le féminin. Attention Victoria Jacques, un petit féminin. Mélissa Madrid, un petit féminin. Je regarde Bombville Lover, un petit... Ah non, c'était bien. Excusez-moi Bombville Lover. Pardon, les autres... Non, c'était bien, oui. Attention Omar. Omar considéré féminin aussi. Donc, marquez bien le féminin pour considérer. Et puis, grande, ici, là encore, hein, au féminin. Donc, G-R-A-N-D-E. On entend le féminin, effectivement, grande. Très bien. Allez, on continue avec le numéro 3. Attendez, je dois... Voilà. Elle a été comparée à Quentin de la Tour ou Jean-Baptiste Greuze. Elle a été comparée à Quentin de la Tour ou Jean-Baptiste Greuze. Non, Ice Cubes, non, c'est pas très différent. Phonétiquement, c'est la même chose. Phonétiquement, c'est la même chose. C'est juste que, parce que c'est une erreur assez classique qui arrive de l'anglais, on considère que peintre, etc., ça va être avec un A, mais non. Phonétiquement, il n'y a pas de problème. Alors, je regarde ce que vous avez commencé à mettre. Oui. Alors ici, ce qui est très, très important, en fait, enfin, pas très important, c'est jamais très important, mais... Souvenons-nous qu'ici, le verbe, c'est comparer. Mais on l'utilise à la forme passive. Le passif, souvenez-vous, ça va être le verbe être. Et après, vous mettez votre participe passé comparer. Donc, si on le met au présent, elle est comparé. Comme on utilise eh bien être, on doit marquer le féminin pour notre participe passé. Elle est comparée, vous mettez un E à la fin. Maintenant, dans notre structure, c'est pas le présent. Notre structure, c'est un passif passé composé. Donc, nous avons être,
que nous mettons au passé composé. Elle a été, mais toujours, on doit marquer le féminin sur notre participe passé comparé au féminin. Elle a été comparée, donc avec un E à la fin. Faites attention parce que ça, c'est une erreur assez classique en général, parce qu'on voit avoir et pouf, on va pas mettre le féminin. Daria doit nous quitter. Au revoir, Daria. Profitez de la vie, Daria. Profitez de la vie. Et si vous sortez, mettez bien un bonnet, des gants et une écharpe. Il ne faut pas attraper froid, c'est pas bien. Allez, on continue avec le quatrième. Quatrième chose concernant Elisabeth. On y va. Son art et sa carrière exceptionnelle en font un témoin privilégié des bouleversements de la fin du XVIIIe siècle et de la Révolution française. Son art et sa carrière exceptionnelle en font un témoin privilégié des bouleversements de la fin du XVIIIe siècle et de la Révolution française. Allez-y. Alors, Victoria qui dit « J'ai découvert les tableaux grâce à vous, ils sont précieux. » Moi, je trouve, Victoria Possé, je trouve que vraiment, il y a quelque chose... Elle a vraiment un style qui est très, très, très agréable et très, très joli. Voilà. Alors, attendez. Ice Cubes, passif du passé composé. Comment ça serait passif au passé simple? Je ne suis pas curieux. Ice Cubes, je vais vous préparer. Je vais vous préparer un exercice de passif passé simple. Et les personnes qui seront... qui seront tristes devront s'attaquer à Ice Cubes. Le Ice Cubes, en fait, le passé simple, on utilise tout simplement la forme passé simple du verbe être, et c'est fut. Hein. Elle fut, je ne sais pas quel était le verbe, hein. Elle fut comparée, elle fut invitée, elle fut, etc. C'est le même concept au passé simple. Donc c'est juste le verbe être qu'on doit conjuguer finalement. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous préparer des choses au passé simple. Tout le monde va me détester après. On était à la recherche de trois choses. La première chose, c'était bien sûr le substantif art. Souvenez-vous, et vous l'écrivez bien, A-R-T, le T final est totalement muet. Deuxième chose, c'est un substantif, c'est témoin. Témoin, c'est masculin. Un témoin, même si on parle d'une femme, eh bien, on doit mettre au masculin. Un témoin, T-E accent aigu, M-O-I-N. Privilégié, vous voyez que même si c'est une femme, puisqu'il est lié à témoin, ce sera au masculin. La troisième chose, c'était siècle. On l'a vu plusieurs fois. Ça, normalement, c'est plus un problème. Vous avez l'habitude. Si vous avez l'accent grave sur votre clavier, eh ben, c'est toujours mieux. S-I-E, accent grave, C-L-E. Allez, on va lire tout ça ensemble. J'espère que vous allez lire avec moi. Ce serait très gentil. Première chose, elle est née le 16 avril 1755 à Paris et elle est morte dans la même ville le 30 mars 1842. Deuxième chose. C'est une artiste peintre française considérée comme une grande portraitiste de son temps. Troisième chose. Elle a été comparée à Quentin de la Tour ou Jean-Baptiste Greuze. Quatrième chose. Son art et sa carrière exceptionnelle en font un témoin privilégié des bouleversements du XVIIIe siècle et de la Révolution française.
Et bien évidemment, la peinture du jour, ben ça va peut-être faire plaisir à Victoria Posset. C'est une peinture eh bien, d'Elisabeth Vigée-Lebrun et c'est Portrait de Julie Lebrun. On a eu l'occasion de voir ce portrait que je trouve vraiment, vraiment très intéressant. Voilà, le portrait, s'il vous plaît, une petite phrase pour décrire, commenter, comme d'habitude. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, c'est Peace Joy qui est la première et qui, finalement, c'est très sympathique ce que vous faites. Hein, vous imaginez ce que la petite fille pense. Elle se regarde et elle dit « Je suis très jolie ». Très bien. Almour, qui là fait de la description, c'est un portrait d'une jolie fille. Très bien écrit. Hilary, une fille se regarde dans le miroir. Très bien écrit pour la forme pronominale, la forme réfléchie du verbe « se regarder », c'est bien. Yesero, est-ce que je suis le seul à penser que cette fille est vaniteuse ? Probablement pas, Yesero. Ah, vous pensez qu'il y a... Ah, bah c'est difficile. Hein. Vous mettez un miroir ? Il y a beaucoup de gens qui aiment bien se regarder dans le miroir. Oui, Dad, une jolie fillette se regarde dans un miroir. Sidji, tu n'es pas jolie. Alors attention, Sidji, si vous écrivez des choses comme ça, il faut bien mettre le verbe. Vous avez oublié le verbe. Alors, ce n'est pas raisonnable. Yossi, une fillette se regarde dans le miroir et elle pense à l'avenir. Victoria Jacques, un miroir qui montre le vrai reflet de soi. Très bien. Le reflet de l'âme, peut-être. Vickert, une belle fille se regarde dans le miroir et elle a une belle robe et une écharpe blanche. Un foulard, peut-être. Hein. Un foulard plus qu'une écharpe. Luciana, elle s'imagine sur un selfie. C'est bizarre. Ensuite, Omar, c'est une photo, c'est une peinture d'une fille très mignonne qui se regarde dans le miroir. Nawang, bonjour, bonjour, participez au cours. Nawang, bienvenue. Bourmeville qui nous dit, j'aime cette peinture, c'est très gentil et j'adore quand des peintures montrent des tissus. Si bien... Ah oui, comme si on pouvait les toucher. Mais c'est vrai qu'il y a une sorte de reproduction des tissus qui est vraiment, vraiment très, très, très réaliste. C'est assez, assez bien fait. Victoria Possé, la fille, se regarde dans le miroir et dit que bien ma mère m'a bien peinte. Oui, bah oui. C'est l'avantage. Hein. L'avantage d'avoir une maman qui fait de la peinture. Sundar, elle se dit « Pourquoi le miroir me reflète ?» Vouslat, on voit le portrait de Julie Lebrun, donc en même temps que sa réflexion dans le miroir. Attention Vouslat, miroir masculin. J'avais compris, si j'avais compris, pas de problème. Pas de problème, ça n'est pas nécessaire de développer. Berilla, une fille se regarde dans le miroir et nous regardons ce miroir effectivement. Ah non, elle nous regarde de ce miroir. Karanvir. But it's okay, Karanvir Koholi, remember that the next lesson on Monday
at the same time will be in English, so you can participate. Remember, it will be on Monday and it's on Thursday in English. D'accord? The other days, it's in French. Alors, Cosmina, le turban blanc symbolise la pureté. Mais parce que la petite fille se regarde dans le miroir, pouvait être interprété par le fait que... Cosmina, qu'est-ce qui se passe? Il manque quelque chose. Chérilyn, cette image révèle que Narcisse était en fait Narcissa. Est-ce que vous croyez... elle a l'air très innocente. Je ne sais pas si elle apprécie vraiment son image. On ne sait pas. Peut-être Chérilyn pense qu'effectivement elle aime se regarder dans le miroir et c'est possible. Mélissa, cette peinture me fait penser à moi quand j'étais adolescente, un peu vaniteuse. Le temps passe très vite. Ben oui. Olga, la petite fille, se regarde et pense qu'elle est très belle. Effectivement, il y a Narté qui nous dit « pas de commentaire ». Pas de commentaire. Merci beaucoup. Alors attendez, parce que Béatrice Tan continue. Je pense que la réflexion dans le miroir est vraiment réaliste et que c'est pourquoi je vais dire que le vrai personnage y est capturé. Mais c'est ça la question fondamentale, Béatrice Tan. Quand vous regardez dans un miroir, la réalité, est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est la réflexion du miroir? Ça, je ne sais pas. Alors, souvenez-vous, hein, il y a quelques mois, quelques semaines, on avait l'habitude de faire le livre du jour. J'essayais de vous recommander quelques livres, des classiques ou des choses qui étaient plus ou moins récentes. Et là, on avait eu l'occasion, il y a quelques temps, de voir ce livre, ce grand, grand, grand classique de la littérature française, « La Belle et la Bête ». La Belle et la Bête, c'est un grand classique de la littérature française. C'était écrit par une femme qui s'appelle Jeanne-Marie Le Prince de Beaumont. Et bien, comme d'habitude, nous allons découvrir cette histoire que vous connaissez probablement en trois points. Allez, on y va. Première chose. Belle se sacrifie pour sauver son père, condamné à mort pour avoir cueilli une rose dans le domaine d'une terrible bête. Belle se sacrifie pour sauver son père, condamné à mort pour avoir cueilli une rose dans le domaine d'une terrible bête. Allez-y, écrivez les mots qui manquent. Alors, OSG nous dit « Je suis allé dans une école de langue en France, c'est maintenant la Corée, ravi de vous rencontrer, OSG. Nous avons ces cours tous les jours, du lundi au samedi. » C'est tous les jours à la même heure et c'est 1h10 chaque jour. Vous êtes bienvenus. Alors regardons ce que vous me proposez. Et je dois dire que c'est très bien. La première chose, c'était le verbe. Le verbe, eh bien, c'est se sacrifier. Verbe du premier groupe. Bickert doit nous rejoindre, nous quitter. Au revoir Bickert et à bientôt. Donc ici, on le conjugue à la troisième personne. Du singulier, se sacrifie, S-A-C-R-I-F-I-E. D'accord ? Ensuite, la deuxième chose, c'était condamné. Condamné doit être, eh bien, ici au masculin, puisque c'est connecté à père. Condamné, souvenez-vous, c'est M-N. Hein? C-O-N-D-A-M-N. E accent aigu. On prononce condamné, mais on écrit condamné. D'accord ?
condamné au masculin ici. Et puis la dernière chose, c'était un substantif, c'est domaine. Attention, Luciana, domaine avec un E final, d'accord, hein? Domaine, D-O-M-A-I-N-E. Un domaine. Allez, on voit la deuxième chose, si vous voulez bien. Deuxième chose, la voici. Contre toute attente, la bête épargne Belle et lui permet de vivre dans son château. Contre toute attente, la bête épargne Belle et lui permet de vivre dans son château. Allez-y, écrivez les mots qui manquent. Alors, Cosmina apparemment avait un problème technique. Pour l'instant, c'est bon. Moi, personnellement, je vois... Je vois... Bah, ça arrive, hein, vous savez, les problèmes techniques. Oh là là! Moi, je suis un grand spécialiste. Alors, regardons les trois choses qui manquaient. La première chose, eh bien, c'était contre. Normalement, vous l'écrivez bien. Je regarde. Et pour l'instant, c'est... parfait, C-O-N-T-R-E, il n'y a pas de problème. Deuxième chose, c'est le verbe permettre. Verbe du troisième groupe, troisième personne, permet, P-E-R-M-E-T. Et puis la troisième chose, la dernière, c'était un château. Château, C-H-A, circonflexe, T-E-A-U. Pourquoi il y a un circonflexe? Alors parce qu'à l'origine... À l'origine, eh bien, il y avait un S, hein, c'était caste, hein, casto, castel, donc que vous retrouvez après en anglais, c'est un petit peu comme ça. Donc c'est la raison pour laquelle il y a encore le circonflexe, un château. Eh bien, écoutez, pas de problème. On finit avec la troisième chose concernant cette histoire incroyable. Elle s'aperçoit que derrière les traits de l'animal souffre un homme victime d'un sortilège. Elle s'aperçoit que derrière les traits de l'animal souffre un homme victime d'un sortilège. Écrivez le mot Castello. Est-ce que c'est de l'italien, Ice Cubes? Bah, on trouve la connexion. Bah, de toute façon, l'italien. Hein. J'avais lu un article et l'article, le titre de l'article, Ice Cubes, c'était intéressant. C'était Le bon français vient du mauvais latin. Alors ici, effectivement, nous avons, eh bien, trois choses comme d'habitude. La première chose, c'est le verbe « apercevoir » ou « s'apercevoir hein, », puisqu'effectivement, c'est la forme pronominale. Donc le verbe « apercevoir » ou « s'apercevoir », il est un petit peu complexe, pardon, quand on va le conjuguer pour les trois premières personnes. « Je m'aperçois » au « is »,« tu t'aperçois » au « is »,« il » Elle s'aperçoit, O-I-T.
T. Et vous voyez que comme il y a un O, on doit mettre la cédille, hein, tout simplement pour avoir le son s. Alors, elle s'aperçoit, si vous avez la cédille, ce serait formidable. Si vous ne l'avez pas, c'est comme ça. Ice Cube qui met oui l'italien. Un petit peu de modestie. Un peu de modestie, Ice Cubes. Alors, deuxième chose, eh bien, c'est un substantif et c'est animal. En général, c'est assez facile d'écrire animal. Attention, vous slate, ici, animal, vraiment, A-N-I-M-A-L, hein, pas de E final, d'accord. Et puis le verbe qui suit, c'est le troisième verbe, et c'est un verbe, c'est intéressant, parce que c'est un verbe qui finit par IR, souffrir. Mais, comme certains verbes qui finissent en IR, je pense à ouvrir, ce ne sont pas des verbes du deuxième groupe. Vous allez un petit peu les conjuguer comme s'ils étaient du premier groupe. Je souffre, tu souffres, il souffre, nous souffrons, vous souffrez, il souffre. C'est la même chose avec le verbe ouvrir, hein. Souvenez-vous, j'ouvre, tu ouvres, il ouvre, nous ouvrons, vous ouvrez, ils ouvrent. Donc ici, c'est le verbe souffrir, troisième personne du singulier, il, elle, souffre, S-O-U-F-F-R-E. Allez, si vous êtes courageux et courageuse, vous allez lire avec moi, ce serait très 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 gentil. Première chose, Belle se sacrifie pour sauver son père, condamné à mort pour avoir cueilli une rose dans le domaine d'une terrible bête. Deuxième chose, contre toute attente, la bête épargne Belle et lui permet de vivre dans son château. Troisième chose, elle s'aperçoit que derrière les traits de l'animal souffre un homme victime d'un sortilège. Allez, n'oubliez pas de cliquer sur like, il n'est jamais trop tard, il n'est jamais trop tard pour cliquer sur like et vous pouvez bien sûr rejoindre notre chère communauté. Merci beaucoup en tout cas. Alors, c'est pas cette semaine, c'est la semaine prochaine bien sûr. La semaine prochaine, c'est la même chose de lundi à samedi et ce sera à la même heure. Lundi ce sera en anglais, mardi ce sera en français, mercredi ce sera en français, jeudi ce sera en anglais, vendredi ce sera en français et samedi ce sera en français. Je vous remercie. Demain, personne ne travaille, vous pouvez étudier si vous voulez, mais moi je fais une pause et je vais passer un temps formidable avec mes deux enfants qui sont là, youpi! Merci beaucoup, au revoir et à bientôt! Thank you.
Learn French, learn today. Learn for free, learn your way. Learn French with Vincent, let's go. The best French teacher on the low. Learn French, learn today. Learn for free, learn your way. Learn French with Vincent, let's go. The best French teacher on the low. Learning French is simple and free. Learn French with Vincent, A to Z. Easy, fun, 1, 2, 3. Subscribe to the channel to support me. Students all around the world learning fast. Young to old, I am the best. Learning French is simple and free. Learn French with Vincent, A to Z. Learn French with Vincent today.